Michel Victory, député socialiste d'Ardèche, a rencontré récemment notre direction générale, la DGER, à propos des AESH, et la DGER lui a dit que tout s'était bien passé lors de cette rentrée 2019. Du coup, on a voulu la rencontrer pour lui dire qu'en fait, ce n'était pas le cas et qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements liés à cette note de service depuis le début de l'année. Donc notamment, on peut noter les problèmes de CDIsation avec un certain nombre d'agents qui n'ont toujours pas leur contrat alors qu'ils ont bien fait 6 ans en tant qu'AESH. Voilà. Il y a des problèmes de formation. On a difficilement accès aux formations de l'éducation nationale et les temps d'inscription sont très courts. Et encore l'intégration aux communautés éducatives avec notamment tous les problèmes informatiques liés aux boîtes mail, mais aussi aux logiciels des établissements comme Pronote. Et du coup, Madame Victory s'est engagée à faire une question au gouvernement à propos de tous ces dysfonctionnements et ceux qu'on a évoqués en plus pour dénoncer notamment les différences entre nos conditions de travail et celles de l'éducation nationale.